garde. La maison hantée a été vendue. C'est pas moi qui ai racheté cette maison-là. Vous devez avoir froid. Qu'est-ce que vous diriez d'un bon petit chocolat chaud? On n'aurait pas dû venir. On la connaît pas. Ça vous fait pas peur, les maisons hantées? Hantée est un bien grand mot. Ce sont des rumeurs, comme on dit. Il y a quelqu'un qui a été tué ici il y a 2 ans. Alors, depuis ce temps-là, on raconte des histoires de fantômes à propos de la maison. C'est comme ça que j'ai pu l'acheter pour une bouchée de pain. Personne n'en voulait. Alors, moi, les fantômes, je leur dis merci tous les jours. Le seul fantôme auquel je serais prête à croire, c'est celui de ma sœur Emma. Une perfectionniste maniaque. C'est probablement elle qui vient faire mon ménage la nuit, d'ailleurs. Ça paraît pas encore parce que je pense qu'elle a commencé par la cave. C'est tout à fait son genre. Elle était très méthodique. Fallait surtout pas salir ses patates avec la sauce. Oh non! Ses patates, fallait qu'elles soient pilées soit en forme de pyramide, en forme de cône, en forme de boule de crème glacée, sinon que ça faisait pas. Allô? Hey, maman! La nouvelle propriétaire de la maison hantée nous a invités à dîner. Qui ça, nous? Andrea et moi. Non. Vous allez pas commencer à aller manger chez des gens qu'on connaît pas. Mais maman, c'est sa fête. Sa sœur est morte, puis elle est toute seule. Aimerais-tu ça, toi, être toute seule au jour de tes 63 ans? 63 ans? Bon, j'imagine que c'est correct. Ah, tu vas voir, c'est super comique. Hey! Un jour, je te présenterai. Oh, on va recevoir un petit Français. Ah. Tiens, il est réveillé. Je te présente Hervé. Ses parents sont à New York pour un congrès médical. Ils ont eu la bonne idée de nous le laisser pour quelques jours. Tu t'en occupes? Je te laisse. Bonne nuit. Comme ça, t'arrives de New York. J'ai passé seulement 2 jours là-bas. Moi qui rêvais depuis toujours d'aller en Amérique. Ici aussi, c'est l'Amérique? C'est pas pareil. Ici, il se passe rien. Demain, on va aller dîner chez une femme de 63 ans qui habite une maison hantée. Ah, parce que tu crois encore aux fantômes, toi? Bonjour, l'angoisse. C'est que Madame Turgeon nous avait invité à dîner ce midi. Ah oui, pour sa fête.
Malheureusement, pauvre Madame Turgeon s'est fracturé le poignet dans les escaliers et le médecin lui recommande du repos. Est-ce qu'on pourrait lui donner son cadeau? Bon. Entrez. Madame Turgeon? Mm-hmm. Je vous amène la grande visite. Andrea et Arthur. Et Hervé, un ami français. Comme c'est gentil. Venez vous asseoir. Je vais vous remonter un peu. Tenez, c'est pour moi. Oh, merci. Attention de ne pas trop la fatiguer. Irène est une infirmière qui se spécialise dans les soins à domicile. Une vraie perle. Hier, avant que je glisse, j'ai entendu du bruit en bas. On a fait bien des blagues à propos de ça. Mais là, je commence à me demander si cette histoire de fantôme, c'est vrai. Oh, j'ai peut-être l'air ma boule en disant ça. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose bougeait des meubles. Oh, gardez ça pour vous, là. Ne parlez pas à personne. Même pas à Irène. À mon âge, je pourrais facilement passer pour folle. Quelqu'un faisait bouger les meubles? Oui. Puis j'ai entendu du bruit de vaisselle cassée. Ah, je me suis levée pour aller voir. Les escaliers étaient tellement glissants, les deux pieds me sont partis. Je cherche un verre d'eau pour Madame Turgeon. Bon, c'est parce qu'habituellement, les verres d'eau, c'est dans la cuisine qu'on les trouve. Quand je pense... Bon, les enfants, il faut laisser Madame Turgeon se reposer. Déjà? Le médecin d'urgence a bien spécifié qu'il vous fallait beaucoup de repos. Regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Un morceau de tasse. Il en manquait un dans le vaisselier. Madame Turgeon nous a parlé de vaisselle cassée. Puis c'est pas tout. Les escaliers sont extrêmement glissants. Un coup des fantômes, sans doute. À moins qu'elle ait tiré les escaliers, qu'elle a oublié de nous en parler. Chose certaine, là. Il faut l'avertir au plus vite pour la tasse cassée. Pour pas qu'elle s'imagine qu'elle est devenue folle. Ça va paraître bizarre de retourner la voir maintenant. Vous voulez dire sans alerter le chien de garde? Je m'en charge. Ah! T'es pas avec tes amis? Je suis désolée de vous importuner, madame, mais je crois avoir oublié mon Walkman dans la chambre de Madame Turgeon. Ah ben attends, je vais y aller. Oh, ne vous dérangez pas. Je sais où je l'ai oublié et je ferai bien attention de ne pas réveiller Madame Turgeon. Très bien. Mais fais ça vite. J'ai pas réussi à lui parler, ni à lui laisser un mot. Irène l'aurait trouvé. Mais j'ai pris le numéro de téléphone et le nom de ses médicaments. Pourquoi? Par curiosité. Mon père est médecin.
J'aimerais lui demander si c'est normal, tous ces médicaments pour une simple fracture. Et l'escalier? T'avais raison. La cire sur les marches est très glissante. Si on porte des bas ou une paire de pantoufles, j'imagine très bien la culbute. Mais le plus bizarre, là, c'est que c'était juste la partie devant l'escalier qui était cirée. Tout le reste du couloir était aussi poussiéreux que le reste de la maison. Madame Turgeon est-elle une droguée qui invente des histoires pour qu'on s'occupe d'elle? Y a-t-il, oui ou non, un fantôme dans la maison? Si oui, vient-il vraiment la hanter? Ou encore, qui aurait intérêt à ce que Madame Turgeon se casse le poignet? On ne s'ennuie jamais avec vous, hein? Ça vous prend pas grand-chose pour plonger dans le mystère. Drame mortel au 9000 rue Désirable. Ça y est. La maison de Madame Turgeon? Hello, is Mr. Bayle there at room 531? Mon père n'est pas à son hôtel. On a un autre à compter. Une histoire de vol de banque. Quoi? Un voleur qui s'est évadé de prison puis qui est allé se cacher dans la maison pendant que les propriétaires étaient en vacances. Les policiers lui ont dit de sortir. Il s'est approché de la fenêtre avec un exacto à la main. Un quoi? Un couteau à petite lame pour couper le papier. Un des policiers a pensé que c'était un revolver, puis a tiré sur lui. Le voleur s'appelait Daniel Levrac. Et tiens-toi bien. L'argent du vol n'a jamais été retrouvé. Quoi?